collaborons la main dans la main avec la Belgique, le peuple belge précisément. Mais il est intervenu un élément essentiel qui devait orienter la politique du Congo. Cet élément, c'est l'accession du Congo à sa souveraineté. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. La République du Congo a été proclamée. Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Obutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la révolution et de trois présidents de la République, je jure d'observer la constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois, dont nous sommes les témoins en vertu de la constitution, et en notre nom personnel, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes et vous réitérons notre attachement. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République. De défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. Mais on changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Élu de paix, ce sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays d'ensemble de notre peuple. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment. Bonsoir les abonnés de Congo, États-Unis TV et Bichonio sur Congo et ADC. Hier, j'ai reçu beaucoup de suggestions et puis il y a des gens qui ne reçoivent plus nos vidéos, Nengezaki Liboso. En tout cas, ce n'est pas de ma faute. Hein. Donc, Bandeko Wazo Komena, mais pas tout ça, la évité. Je fais toujours le live, Nenge tout ça, là. Sur Okina Congo, États-Unis, TV, au moment où on a live, Nabiso, toujours ça, là. Et donc, rien n'a changé. Toujours ça, là, live, Nabiso, Nenge tout Bandeko Sala. Ceux qui peuvent y en Abiso, Nyon, sur Congo, RDC,
on fait aussi des lives, bah live mingi tout ça dans la bisounou sur Congo RDC, ils ont rediffusion à part bah track il faut qu'on ait toujours les sangos, toujours les, donc c'est à dire on a mis un peu là, on a séparé donc bah track il faut ils ont les cas live na bisounou sur Congo RDC et puis info expliquée ils ont les cas live mingi direct na Congo États-Unis TV, donc on a bisounou sur Congo RDC toujours ça la rediffusion. Il y a live auto le Kisina Congo États-Unis. Alors ma vidéo pe auto salina bisono so Congo RDC toujours sélectionné ndambu mukie surtout sali track info ndé to kitisi yango pe na Congo États-Unis pona toza. Donc ça dit rien n'a changé. Donc soko zo vidéo té na ébité soko za abonné nengini. Mais soko qui vraiment za abonné na biso normal, je crois que au rejoignement. Bon, ils ont gaïté dans le bien, bien que c'est YouTube. On dit bah toi on a besoin d'un système de technologie na bango. Soit bah moni bah bloqué na nous bah bloqué bah donc ça dit. Moi-même je comprends que bah bloqué n'engue vidéo là n'engue bande quoi atteindre bah tout bah bloqué en haut. Donc aujourd'hui on a qui vous sera live. Et comme on a bah 300 kaka, 400 personnes bah zola ndayo 500 et pourtant moi je tente des fois 1800, 2000 personnes bah zola ndanga direct. Mais YouTube a freiné en haut. Donc ils ont la volonté d'engaïté. Donc ça, bah ta YouTube bango va freiner ma mon abango. Donc on a rien à dire. Hein. Donc toujours c'est la rare artiste bango moro mukolo bango mona comme on nous a donné. Moi nous attendons un mois peut-être bah pour améliorer en gros, bah pour changer en gros parce que c'est une chose de tout ça qui donc. Si vous avez pas abonné na bisho, au cas où n'a jamais qu'on soit vidéo na bisho. On a évité YouTube si on ça la n'importe quoi bande comme souvent sur la live n'abîchoté. Nous faisons aussi le même constant tant au ça en direct aujourd'hui on a besoin qu'on t'amène mais ils ont de pas de ma volonté c'est YouTube qui a fait ça. YouTube nous a bloqué encore a freiné batouba l'endarabiso sur n'importe quoi c'est YouTube donc bon moi voyez dans le monde de la technologie en gros donc bah on va éviter que Aero Photo les ça tout partager bon Aero Photo ça là bon Aero Photo freiner en gros batouba l'endarabiso donc bah on va nous ça bloque quoi non nous on a rien à voir c'est YouTube c'est pas vraiment moi et on a 5 millions de s'abonner peut même n'abîcher nos Congo RDC pour bah tant bon. Ils ont ba app na bango ils ont ba bloko na bango yo biso toujours jokaka possibilité ou lex ab émission donc bango nde baza ba mettre nango ba ko sala o bango ba lingi parce que za compagnie na bango voilà ce que moi je peux dire ba to balandanga ou bien bozo so ba retard pour bozo mona live et l'équipe mais ba to so landango do ba to so son ba vidéo na retard bo continuer ka malé malembe je suis sûr que YouTube a au moins que toujours ça la biso ba bloko ma bété. On attend. Déjà presque deux semaines et un mois. Donc on attend 30 jours et coca peuple congolais. Tout à l'heure, mais en dehors de ça, tout est normal. Toujours ça va live, toujours ça peut être track info. Alors, track info, on a un titre, on a un Les carnets noirs de Félix Tshisekedi. On a un passe dans un de l'eau. Et le commando très important dans l'ingu au partageant na batunyo surtout balandarayo na Congo États-Unis TV na bisounyo sur Congo RDC passe à partager émission oyo partagez vraiment s'il vous plaît partagez le quoi na ndeko nini abi passe à zala calme na zotine de l'oyo le quoi bon na moni pen de quoi tinde ninga ba a document na bandi au fouiller ba document boy c'est grave ça. C'est grave la révélation au de quoi sali mais je vais lire ça un peu pour on a bien besoin compréhension de quoi on parle ici dans les carnets noirs de Félix Tshisekedi en tout cas dans le commentaire dans mon sima la ligne dans tout temps à yango malin bébé n'a pas balancé bino ba image pour que beau mona donc titre yango wana le carnet noir de Félix Tshisekedi attendez na bimisango pe awa. Pour la meilleure compréhension, la bimisango ou apéango awa, bandegolazo la nangai awa, voilà, je vais remonter plus vite que possible, voilà, yangoa. Alors, les carnets noirs d'Antoine Félix Tshilombo, président en exercice de la République démocratique du Congo, publication anonyme, donc Mutuana Boyko Tshakombo nae, au risque que Boyebiga que soit Mutuana Tshakombo. Au risque que non, bah nous qui sait.
Webiga RDC RDC kuna soa mejiko cha komboga kuna ah mukamate kanga na yute na chuluba soko mukamate za so bazo bengango nini kuna na chuluba na yibite donc arola la tena parler na ba nani kal nani muta remplacer wazo bonga batu mingi François Béa yene muta remplacer Kalev Mutondo kuna alors butu butu akotinda bataner kuna bake nduka muta munde kona biso oyo akomeni nga makambo alobi na ngabo ce que l'équipage wana page mususu yangoyo peuple congolais qu'est-ce qu'il dit na page alobi boy debout congolais uni par le sort uni dans le fort pour l'indépendance dressons nos fronts longtemps courbés et pour les bons prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent par le labeur nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyens entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, ô pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel. Serment de liberté que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Wana pas yami balé yami balé yami sato atinde lingai peuple congolais yango wana na pas yami sato oyo alobinini. Mes frères et sœurs congolais, mon peuple, notre nation est une nation bénie, mais nous n'avons pas de chance d'avoir de bons dirigeants. Je ne saurais pas me présenter pour des raisons de sécurité. Néanmoins, je ne me les pardonnerai jamais si je m'étais aujourd'hui. C'est avec cet amour patriotique que je me suis décidé de vous livrer ces informations pour qu'ensemble voyons comment remédier à cette situation chaotique qui se vit dans notre nation. Et il continue de dire, à vos oreilles, c'était comme de rumeurs concernant le multiple décès à la présidence. Une chose que moi je vous confirme en ce jour, c'est qu'il n'a jamais été question de COVID-19, mais d'empoisonnement. Un poison qui a été utilisé sous recommandation du chef et de ses compères. Pour éliminer certaines têtes qui semblaient être gênantes, et aussi comme sacrifice du chef dans sa loge. Félix Tshisekedi n'a pas l'ambition de diriger la République démocratique du Congo. Son souci majeur est de faire en sorte que son clan se retrouve premièrement après une longue lutte pour la magistrature suprême. Voilà, on a mis balé, na longola na noyo, parce que bozoko landanga, je vais partir doucement. Donc de quoi tindeli ngwa bi passe na tindeli ka yo panza yango po ba congolais ba comprendre makamuni na za koloba na bango. Ah ouais, c'est très important makambo toza koloba et de quoi tindeli ngai. Donc je vais partager avec ça avec vous et vous verrez certaines des images. Awa wakala mingi te donc nazo tanga nanu loka komi et puis à la fin de compte bourgeois image ya makambu oyo ye alobi awa peuple congolais. Alors continuons de lire troisième page voilà alobi boy donc la Suisse qui est suprême étant au pouvoir au lieu de diriger Félix Tshisekedi ses compères se sont donné la mission. Donc au lieu de diriger Félix Tshisekedi étant au pouvoir, au lieu de diriger Félix Tshisekedi et ses compères se sont donné la mission, parmi PC mission. 1. D'éradiquer la classe politique sortante de Joseph Kabila. Toute personne qui a travaillé avec Joseph Kabila constitue pour eux un danger. Il est considéré comme un espion au service de Joseph Kabila. Ils ne doivent pas travailler avec le régime de Félix. Qu'ils soient bons travailleurs ou mauvais, on doit tous les remplacer.
et de préférence par des personnes de confiance, plus particulièrement ceux de la tribu du président. D. D'élaborer un plan de vengeance contre les Katangais concernant les événements de 1992-92. Pour ça, il a eu à déclarer dans un de messages durant une sortie officielle ce qui suit. Moi qui vous parle, j'ai mille et une raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne veux pas, si j'ai commencé simplement avec nos amis du FCC. Le président et ses compères ont déjà dressé une liste des Katangais à éliminer, ceux qui sont reprochés dans les événements de 1992 ou 92, et tous ceux qui sembleront être des leaders qui s'opposeraient au régime de Félix. Et tout jeune Katangais qui ferait allusion à la République du Katanga sera éliminé. 1. D'après... Voilà, pas jamais balé. Monsieur. 3. D'approcher certains Katangais traîtres, gagner leur confiance pour mater la population katangaise et ensuite remercier le traître en monnaie de singe. 4. De freiner le développement des provinces issues du Grand Katanga. 5. Désapproprier le Katanga à tous les niveaux, favoriser les siens et faire souffrir les Katangais. 6. D'éliminer physiquement, s'il faut, tout Congolais qui manifestera une opposition au régime de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. 7. Considérer tout Kasséen qui ne marche pas dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme un ennemi, un inconscient qu'il faut martyriser. Quand j'ai eu tout ceci, je n'ai pas vu la place de slogan le peuple d'abord. Si tout un mandat ne se concentre que sur un règlement de compte, aucun projet de société, une jungle totale à la présidence, une grande dictature qui se fait sentir dans le chef du président et de ses compères. Les informations qui vont suivre émanent des résolutions prises par le chef de l'État et son clan. Il n'engage nullement développement du pays. En passant, je vous signale aussi que l'IGF est une institution pensée montée de toutes pièces par Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo et ses compères. Alors pour terminer, pour voir comment écarter de mauvaises foi sur la scène politique et même dans les administrations publiques, certaines têtes pour qu'elles laissent place à un frère de tribu. Voilà. Oyo ndeko akomelingai atindelingai. Maintenant, à part bawana na uchukotange la bino, le carnet noir de Félix Tshisekedi. Maintenant, ce qui va suivre, c'est quoi? Ce sont des images. Oyo ndekoana na eloko na ya komi qu'il m'a envoyé, que je vais partager avec vous, mes frères et sœurs. Bokomo na yango awa kala mingi te. Ces images, oyo atinde li biso awa. Vous verrez cela. Aza ko tshila bino yango kala mingi te. Bokomo na ba image wana. Le carnet noir de Antoine Tshilombo, vous allez voir cela, n'est-ce pas? Oh, Anna Liboso, vous avez comme une image à Liboso, peuple congolais. Il s'agit de qui? L'image, on a sur Botali, liste non exhaustive des victimes de Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, César Kalala, conseiller du président, Charles Kish, donc, Charles Kilosho, directeur adjoint de la communication présidentielle. Eugénie Chika, député national honoraire élu de Kabeyaka Mwanga en 2011 et tante paternelle de Félix Tshisekedi.
Ernest Kabila Ilunga, DG de la RTNC, mais il était déjà DG au moment où Joseph Kabila était président. Gaston Tété Kaboué, directeur adjoint et conseiller en matière de sécurité de Félix Tshisekedi. Major Frank Mbwanda, chef de la maison militaire. Wana liste à Liboso. Liste à Mibale, de Bozo Monango, wana, peuple congolais. Liste à Mibale, de Gwana Tindelinga, Abi. Jacques Ilunga, chargé de la mission du chef de l'État et représentant de l'IDPS Tshisekedi au Congo-Brazzaville. Jacques Chimbombo Mukuna, assistant de Kitenge Yezu, ancien sénateur. Raphaël Yani, juge président dans l'affaire Kamere. Boyebie. Julio Kapeta, proche collaborateur et conseiller du président Félix Tshilombo. Kitenge Yezu, haut représentant du chef de l'État. Lolo Onoya, coordonnateur cellule climat des affaires à la présidence. Wana bochu komona na tangele bino ya misatu ya mibale pito liste ya misatu yangoyo eye. Il s'agit de qui na liste wana? Monseigneur Gérard Mulumba, oncle de Félix Tshisekedi. Bon, on a manqué la photo ici. Jean-Pierre Wetch, oh biska photo zate. Jean-Pierre Wetch, un autre conseiller à la présidence. Bernard Chirumba, ancien garde de Kabila, celui de Tshisekedi, avant. Attendez. Tshisekedi avant son élimination. Général Delphin Kayimbi. Et puis Tobaxi, Gilbert Mundela, proche collaborateur de Tshisekedi, conseiller comme le ministre des Affaires étrangères, considéré plutôt comme le ministre des Affaires étrangères de l'IDPS, Ozissa, n'avait pas de poste officiel. Et puis vous avez Delphin Kayimbi. Alors, la liste continue. Alors, de quoi on va continuer la liste Walobi? La liste est longue. Je ne saurais plus vous suivre avec cette liste. D'autres sont encore dans le viseur de Félix Tshisekedi. Le règlement en place est venu régler les comptes jouir des richesses de la RDC sans vouloir améliorer le quotidien de la population. Alors, mais la liste n'est pas encore finie. Ça continue et je vais prendre cela avec vous ici pour que vous compreniez ndenge ndekwana akomelingai atindengai baloko yo tindelinga baloko abi pasta panza yango po balanda ka yo tour na monde ba congolais ba yoka ba comprendre qu'est-ce que Félix Tshisekedi aza ko sala na kati ya mboka wana. Donc attendez, aza ko bimisa yango. Voilà, aza bimisa yango awa. Nous vous avons l'endangai. Non, en tout cas, je vais lire pour vous. Et vous comprendrez la suite des choses. Alors, voilà. Voilà. Alors, continuons. La liste est là. Continuons la liste. Alors, la liste proche cible. Vital Kamerhe, ancien directeur du chef de l'État. Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République. Kalev Mouton, ancien chef de l'ANR. Gabriel Kyungu, président de l'UNAFEC. Matata Ponyo, ancien premier ministre et actuel sénateur. Juvenal Kitungwa, vice-président de l'UNAFEC.
liste Moussoussou. Oui, Moussoussou Yangouana. Nous avons Fridolin Ambongo, cardinal Église catholique. Général John Numbi, ancien chef d'armée et inspecteur. Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Kabul Yakatwe, gouverneur au Katanga. Jean-Claude Muyambo, président de la SCOD. Ngoï Mulunda, pasteur et ancien président de la CENI. La liste continue. Jean-Claude Kazembe, il est déjà décédé, paix à son âme, président de la CONACAT. Richard Mouyej, gouverneur de l'Olaba. Samalou Kondé, ancien DG de la GECAMINE et actuel premier ministre de la RDC. Thierry Kikontwe, cadre de l'UNAFEC. Louis Segon Kawaya Karawa, chef de la police. Jean-Marie Kassamba, DG de la Télé 50. Ah, finissons la liste ici. J'en ai été. Israël Mutombo, journaliste indépendant et analyste politique. Fifi Masuka, vice-gouverneur de l'Olaba. Marcel Kyungu, paix à son âme, président de la jeunesse UNAFEC, Mona Kyungu Akufi. Jacques Ndala, en prison, président de la jeunesse Ensemble pour la République de Katumbi. Péro Louara, journaliste indépendant et analyste politique. Je n'ai pas pu avoir tous les noms de toutes les prochaines cibles et les noms s'ajoutent tous les jours. Les noms de ceux qui doivent être intimidés, ceux qui doivent être éliminés physiquement ou de la scène politique. La RDC n'a pas de chance avec Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il est venu apporter le chaos. Alors, Nakosukisa, Ndekwana, Akomi Boyalobi, sauvons ce que nous pouvons encore sauver, chers compatriotes. Nous totaliserons le 30 juin 2021, 61 ans d'indépendance. C'est beaucoup pour voir une nation décoller. C'est avec regret que nous pouvons constater et voir un Congo stagnant et pire encore, voir un Congo chuter à grande vitesse sur le régime de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Les piliers qui font la fierté d'une nation sont quasi inexistants. Une économie faible, une armée moins disciplinée et infiltrée, une population qui vit encore moins d'un dollar par jour, une éducation à dérive, on ne règle pas le problème avec ceux qui les ont créés. Depuis son avènement à la tête du pays, il n'a rien résolu. Par contre, il nous a apporté de graves problèmes. Les caisses de l'État vidées à son arrivée, le taux du dollar a grimpé de 510 francs congolais, soit de 1500 francs congolais ou 2010 francs congolais pour un dollar. Il a fait beaucoup de promesses à une population qui lui a totalement fait confiance. Les dites promesses qui ne verront pas le jour. Il nous a vendu des rêves, chers compatriotes. Je pense que nous devons nous réveiller pour prendre notre destin à main. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Paix, justice, travail. Le plan de Félix Tshisekedi, ayaki na été pas bon sa Congo, mais ayaki de Pascal ngi clan na yé pas tous les balouba, parce que c'est pas tous les balouba qui bénéficient aussi de son régime. Alingaki d'abord clan na yé va bénéficier tout en faisant souffrir les autres.
Donc régler d'abord les comptes au clan Kabila, ce qui se vit aujourd'hui, parce que Batounesso Bayibi, c'est l'arrangement à l'amiable, éliminer d'autres leaders politiques, surtout de Kachwa et du Fon, et même de Bas-Congo, on élimine les grands leaders politiques, et puis de deux, faire souffrir la population. Talana Otukola Sabino Kayamai, Oyoyo, spolié par l'Angola, et le Romoro Bazokoloba, exaté. Donc c'est-à-dire que Félix Tshisekedi a le carnet noir. Donc voilà le pourquoi les Congolais, vous devez se réveiller pour changer Makambo Otulo Bazolinga Sanambokana. Sinon, dans tous les cas, habitez à Mikologoya Sogozandeni. A bon attendeur, salut. Tala Suko Awa, qu'on m'avait donné, on m'a écrit quelque chose ici. Attendez, Nabi Miselabino Yango. Et là, on y bala Kisinga Awa. On m'a montré que Félix Tshisekedi, Yemoua, mais il même que ça, la diplomatie internationale, Naka ya Mboko Babenginini. Il a fait la diplomatie Naka ya Mboko Babengi Soudan, l'Égypte va proposer qui Yango. A échoué déjà même Koutna Kotoana. Il a échoué. Même échoué. Donc, à quoi sert Bobo PC confiance? Mawatro, peuple congolais. Merci beaucoup, Bino Bolandi Yango. Partagez l'émission, s'il vous plaît. Bino Bolandi Opona Ba Congolais. Bye bye. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera quand un noir, on disait tu, non certes comme un ami, mais parce que les vœux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que notre fils polié, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisait que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins d'Européens. Que les noirs voyageaient même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades au péril tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays.